Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus comme ça. Regardez, cliquez là-dessus, activez la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo. Waouh, ça serait extraordinaire. Franchement, que Dieu vous bénisse de ce que vous regardez cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons tous apprendre, comprendre beaucoup de choses sur la réalité de la vie. En fait, c'est ça aujourd'hui même. Ah! Qu'est-ce que ceux qui sont autour de nous là peuvent nous apporter? Est-ce que ce que les gens qui sont autour de nous nous apportent là, est-ce que c'est du bon? C'est un bon de bonnes choses ou de mauvaises choses? Est-ce que même ce mec qui prétend t'aimer là, est-ce qu'il t'aime vraiment? Ou dans une telle situation là, vont-ils te défendre? Vont-ils te défendre? Ce qui va se passer dans ce témoignage d'un ami, d'un collègue va vous étonner. Voici ce qui s'est passé ici. Waouh! Ce témoignage qui suit, c'est tout simplement le vécu d'un youtubeur, un youtubeur très célèbre, très connu. Il a vécu quelque chose qui m'a tellement touché que je me suis dit, franchement, il faut que je réagisse aujourd'hui, sinon ce serait bon, et que je vous dise clairement ce que je pense. Ou du moins, vous aussi, vous puissiez nous dire ce que vous pensez. Déjà, nous vous rappelons que ce soir, à 22h, GMT, 22h GMT plus 0, nous aurons un live. Alors, soyez tous prêts. Qu'est-ce qu'il a vécu qui nous a tellement touché qu'on a décidé de faire cette vidéo? Nous allons vous le dire aujourd'hui. Nous allons vous le dire. Ok, c'est parti. Let's go! Ok, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn. C'est let's go, c'est l'heure hein, de la légende maintenant. Let's go! Hey, mes frères et sœurs, dans la vie d'un youtubeur là, souvent ça, il arrive que quand il est content ou bien quand il rencontre ses abonnés, il a envie de partager des bons moments avec ses abonnés. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça n'arrive pas? Oui, ça arrive! Passer de bons moments avec ceux qui te suivent, qui t'aiment, qui ont fait de toi-même qui est celui que tu es devenu. Ah! Ce youtubeur a plus de 1 million d'abonnés. Donc c'est normal qu'il décide de faire petit show, même s'il n'a pas l'habitude de sortir. Il a décidé de faire petit show avec ses amis, tout simplement. Oh, ce collègue, c'est juste ses abonnés. Et au cours de cet événement-là, ils ont eu à consommer un peu de boisson. Vous voyez un peu comment ça se passe, les jeunes. Ou bien, les jeunes en eux. C'est ce que tout le monde s'est dit, non? Est-ce que tout le monde s'est dit, on est jeune, on est comme ça, oh, c'est la joie, oh, on va boire un peu de boisson. C'est ici, on va voir les conséquences. Ah! À un moment donné de la soirée, là, il y a eu un problème. En fait, l'un parmi ses abonnés, là, avait un comportement déplacé. Et ça a créé un mouvement brusque, palpable. Ah! Palabre. Et le youtubeur est au centre. L'un de ses abonnés qui est quitté nulle part là-bas, qui n'a rien compris là. Un de ses abonnés, qui n'a rien compris là. Il a pris une bouteille sur la table là-bas, envoyé ça sur sa tête là-bas. Boum! Ah! Hey! Mes frères et sœurs, regardez-vous-même ce qui s'est passé. Il a. Oh non! Je ne dis pas que ce sont des étrangers, hein. Je dis ses abonnés. Trois de ses abonnés contre lui seul. Ses abonnés qui sont censés le soutenir, là. Même dans ces moments difficiles, qui regardent toujours ses vidéos, qui le suivent depuis qu'il a 1000 abonnés. Maintenant, il a 1 million d'abonnés, là. 1,2 million d'abonnés aujourd'hui, là. Ce sont ses abonnés, là, qui, sous l'effet de la boisson, entre guillemets, sont en train de faire des trucs pareils. Hein? Des gens qui sont censés t'aimer. Des gens qui sont censés te soutenir. Même, dites-nous, vous-même, même si c'est sous l'effet de la boisson, là, est-ce que vous accepterez ça? Mais là, voici comment ce youtubeur-là s'est comporté. Franchement, vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes touché, laissez un like pour le soutenir. En tout cas, moi, je laisse déjà un like. Je serai le premier à laisser un like en dessous de cette vidéo. Franchement, il ne s'est pas mis en colère. Il n'a pas cherché à répliquer ou à taper l'autre ou à faire ceci ou cela. Ah!
Il a cherché tout simplement à neutraliser tout ce qui était là. Il a réussi, grâce à Dieu, avec l'aide de certaines personnes, il a réussi à neutraliser tous ces abonnés qui étaient autour, qui l'attaquaient là. Il a réussi à les neutraliser. Et quand il nous a rendu ce témoignage-là, il nous montrait en même temps ses coups et blessures. Il avait de bleu partout. Il tourne même sa tête pour qu'on puisse voir. Et c'était réel. Et c'était réel. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Hey! Waouh! Il était tellement dépassé que il a dit franchement, lui, il n'a jamais pensé que ses abonnés pourraient lui faire ça. Et il a dit aux trois abonnés là qu'il pouvait porter plainte, mais il a refusé parce que ce sont ses abonnés. Et il s'est dit que c'est sous l'effet de la boisson. Mais dans la rue, franchement, que ces abonnés-là me dépassent quoi. Même si je veux plus, on s'abonner à lui. Si je veux plus, on s'abonner à sa chaîne. Lui, ça ne va rien lui dire. Mes frères et sœurs, à sa place, quelle serait votre réaction? Déjà, laissez beaucoup de likes en dessous de cette vidéo pour le soutenir. C'est mauvais. C'est méchant. C'est à ce moment-là que nous comprenons que l'homme, là, l'homme, qui t'aime ou pas, il a quelque chose, il a un côté en lui, là, qui est rebelle. C'est-à-dire qu'il peut nous rappeler quelque chose de mauvais. C'est pourquoi on voit que déjà même l'homme, quand il naît, il a un péché, il a le péché en lui là. Voici le problème même là qui est là. Le problème du péché d'Adam et Ève là. C'est comme si on disait qu'il y a une partie de l'homme qui tire vers le côté animal. Il peut se révolter d'une manière bizarre, il peut faire des choses vraiment étranges. Est-ce que c'est faux ce qu'ils ont dit là? Mais regardez-vous-même. Vous êtes abonné à ce monsieur, à la chaîne de ce jeune. Depuis combien de temps? Mettons un petit show pour se réjouir là. Un petit problème net. Vous vous rebellez contre lui. Ah! Quand on dit on est fan de quelqu'un là, quand même, faut être un vrai fan. Même si on dit que la personne là, que vous la star là, elle a fait quelque chose qui est mauvais là. Si vous êtes un vrai fan là, qu'est-ce que vous devez faire? D'abord soutenir la fan. Ne vous mettez pas à mettre à l'insulter ou bien. C'est après vous allez dire, ah, franchement, nous on t'aime, on t'a soutenu, mais voici comment. Voici ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. Tu ne devrais pas dû faire ça. C'est comme ça qu'on réagit. Mais dès qu'on dit que la personne est mauvaise, ou bien elle a fait quelque chose qui est mauvais là, tout le monde se rebelle à mettre contre la personne, contre la star. Comme si vous-même là, vous n'avez jamais péché. C'est ça, soutenir quelqu'un. Donc aujourd'hui là, être fan de quelqu'un là, c'est ça. Soutenir quelqu'un, liker, s'abonner, dire ah, telle ou telle personne, c'est ma star préférée. Ah, c'est ça. C'est ça maintenant. Ah! Il y a une superstar qui n'est même plus de ce monde. À un moment donné, elle a connu des moments difficiles. Cette star là, il n'a pas dit le nom, c'est ça. Mais elle était tellement connue que le monde entier, même après sa mort, parle encore de elle. Vous savez exactement de qui il s'agit. Mais quand je dis que j'accusais cette femme-là de telle ou telle chose-là, tous ses fans, la majorité de ses fans se sont révoltés contre sa personne. C'est vrai. Ce qu'on dit, c'est vrai. Vous savez ça? Tes fans, ses fans, ses pauvres fans. Ses pauvres fans se sont révoltés contre elle, contre cette star-là. Alors que cette star-là, elle, même jusqu'à aujourd'hui, là, aucune star dans le monde ne peut dépasser cette star. Alors bien qu'elle ne soit plus de ce monde-là. Vous savez exactement de qui il s'agit. Mais quand il y a eu un petit problème, là, tous ces fans, tout le monde se sont révoltés contre elle. Tout le monde. Ah! Elle-même, là, la star-là, même là, elle-même, elle est là, elle dit, yeah. Mais, donc, c'est semblant que vous faisiez quoi? Quand vous venez à mon concert pour soi-disant me soutenir là,
quand vous tombiez, on t'aime. Donc c'était du fake. En fait, vous ne m'aimiez pas. Vous faisiez semblant. Dès qu'il y a un petit problème, vous vous révoltez contre les gens. C'est ça maintenant. C'est ça. Ah! Je ne comprends pas pourquoi il y a une femme là, une autre star qui a dit là, la célébrité c'est éphémère. Ceux qui t'aiment aujourd'hui là, ce sont eux qui vont se révolter contre toi demain. Mais toi, sois fort. Il faut être fort. Ne baisse jamais les bras. Fonce dans la vie. Fonce dans la vie. Ah! Le Seigneur Jésus-Christ lui-même là. Entre nous. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Mais qui l'a accusé? C'est l'homme. C'est même ça qui montre que même que tu sois bon ou mauvais là même. L'homme lui-même là n'est pas prêt pour son prochain. Il n'est pas prêt même. Il n'est pas prêt. Il n'est pas. Il suffit seulement qu'on dise un petit mot déplacé sur ta personne. Si vous attendez un jour que peut-être Yann ils ont dit que je suis Yann sur bonne. Tous ceux qui s'abonnent là, on commence à dire non, c'est vrai, non, c'est vrai, non, c'est ça, ah, c'est comme ça. Est-ce que vous êtes parfait? Vous aussi, vous ne pouvez pas pécher? Ou même vous aussi, vous ne pouvez pas déconner souvent? Dès qu'il y a un petit truc qui se passe, vous vous révoltez en même temps. Ah, c'est vrai. Alors que vous dites, vous présentez un message star, être fan, d'être quoi dans ta chambre là? Tous les posters de cette femme-là, toutes les photos de cette femme-là sont remplies dans ta chambre. Mais dès que tu apprends que cette femme-là, cette star-là fait quelque chose de mauvais, c'est toi qui es la première personne. Elle dit, ouais, c'est vrai. Voilà, tu te révoltes. Là, quand tu vois la voix dans la rue, là, ah, je suis ton fan à contester. Donc, toi, tu as deux bouches. Mes frères et sœurs, c'est grave. De tel comportement-là, on ne peut pas avancer avec. Ah, ah, comment tes propres abonnés, ce mec, peut-être aimé la voix, se mettre à t'attaquer comme ça. Ce n'est pas une bonne image, ce n'est pas une bonne idée. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis franchement, il faut que j'en parle pour voir votre réaction. Vous aussi, vous êtes abonné à Nuance Reborn. Il ne faudrait pas qu'un jour, vous attendez quelque chose sur Nuance Reborn et puis un coup, vous vous mettez à vous rébeller. C'est pourquoi nous, nous faisons cette vidéo pour vous avertir en même temps. Nous, nous sommes tous des hommes ici. On peut pécher. Donc, si vous entendez quelque chose sur nous, ou peut-être même on pose des actions bizarres, c'est normal, nous sommes humains. Au lieu de nous condamner là, approchez-vous de nous. Dites franchement, nous on t'aime, on te soutient. Mais ce côté-là, franchement, il faut arranger ça, ça sera bien. En tout cas, sache que nous on te soutient jusqu'au bout. Hein, mais il faut arranger ce côté-là seulement. Ce que tu as fait, c'est pas bon, il faut arranger ça. Sinon, nous sommes avec toi. Fonce. Ah! Je compte sur vous pour vous abonner à cette vidéo. Laissez beaucoup de likes pour nous faire savoir combien de fois vous êtes touchés. Maintenant, ceux qui ne sont pas touchés là, qui seront prêts à se révolter contre ceux qu'ils aiment, contre leur star préférée là. Mettez un dislike ainsi aux yeux souris. Qui sont ces gens-là et combien sont-ils? Ah! Non!